Les amis, aujourd'hui, les recettes Ricard numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on prépare? Un tacos au Ricard. Mayonnaise maison, sauce pastis. Enfin, sauce Ricard. L'apéro est servi. Et merci Tintin. Voilà, et merci Tintin. Les amis, de quoi vous avez besoin? On va commencer par la mayonnaise. Un œuf, de l'huile, c'est du vinaigre, on s'en fout, du vinaigre. Et un fouet, pas un martinet, bande de cochons, je vous connais. Un fouet pour les œufs, merci. Pour le tacos, la viande hachée. Du boucher, non je rigole, c'est surgelé, on a pas de sous les amis, c'est le Covid. T'es la main sale toi. Ouais. Des potatoes, ça par contre c'est maison, c'est du jardin. Et non je rigole, on habite en ville, mais c'est pas grave. C'est du jardin, c'est Jean de jardin. La crème fraîche, du fromage râpé, de parisien, poivron, cheddar, tenders maison. Non. Bien emballé. Et des faritas, El Paso, dédicace à Pablo Escobar, le sang. Évidemment, un shooter, un Ricard et une bouteille de proxénète. Et je parle pas de proxénétisme. Je me suis trompé, c'est proxénète, pas proxénète, on s'en branle. Et une friteuse de chez Lidl, merci. Donc les amis, là on va faire la mayonnaise. J'en ai jamais fait, mais apparemment c'est facile. On va déjà essayer de casser un œuf. Allez. Oh non, non, ça se casse, John. John, je crois que je l'ai mal fait. Oh, j'ai réussi! Alors, vous enlevez tout le blanc, les amis, le blanc d'œuf, et vous gardez juste le jaune. Voilà. Ensuite, recette. Voilà, les amis, c'est ma recette, mais je m'inspire un peu, vous en faites pas, ça c'est un secret. 10 centilitres d'huile de tournesol. 10 centilitres. 1 CAS de vinaigre. Dire quoi ça? Une cuillère à soupe. Oh! 3 cuillères à soupe de pastis. On va commencer. Alors, les amis. Hop la petite girouette. Ajoutez progressivement 10 centilitres d'huile d'olive. On fouette. Et je parle pas de vos darons cette fois-ci. Je parle de l'œuf. Mais genre ça va faire de la mayonnaise. Hein. Non. Mais non. Hein. Attends, c'était juste ça la recette. Oui. Ah, les amis, je comprends rien à la cuisine. Comment un œuf et de l'huile ça peut faire de la mayonnaise? C'est le produit mystère ça. Harry Potter sort de ce corps. Là. Ricard les amis. Ricard, deux shooters. Viens voir ce doux Ricard versé dans cette recette. Oh là là, on ajoute un petit deuxième les amis, c'est pour la mayonnaise au Ricard, façon Tintin. Et le deuxième shooter les amis, deux, et dans la recette c'était un, mais je suis un gourmand, j'en mets deux. On verra mon estomac, ce qu'il en dit. Hop là, ça marchera jamais. Écoutez les amis, on va réessayer, je vais remettre 2 centilitres d'huile d'olive. Et on bat. Je comprends pas comment ça me fait de la mayonnaise les amis. Ça prend pas la mayonnaise. Frère, vas-y, ils m'ont arnaqué ces bâtards, Philippe, je te baisse, rends l'argent. Hein. Mes amis, ça ressemble pas à de la mayonnaise. Oh, c'est pas mauvais, hein. Goûte ça. C'est dégueulasse, hein. Vas-y, ça me casse les couilles. En attendant, un petit Ricard pour moi et mon poteau Johnny. Hop là. Il y en a jamais trop. Hop là. On va pas le noyer. Oh. Oh. Et bah, c'est tata. On passe aux frites maison. C'est parti. Oh là là. Oh, c'est fantastique. Écoutez ce bruit. Hop là. Une fois que vous avez fait cuire la viande, on met la crème fraîche. Selon combien vous êtes, je vous conseille ce que vous voulez. Ça dépend de vos envies. Excuse-moi, John. Une fois que la crème commence à bouillir, on met le gruyère, un paquet entier, on est des gourmands. Hop là. C'est la sauce fromagère de Tintin, les amis. À peu près 6-7 tranches de cheddar. Ensuite, on coupe les oignons et les poivrons pour donner plus de goût au tacos. Pas qu'on est des véganes, mais bon, quand même. Un petit peu de légumes et d'assaisonnement dans le f***. Ça a jamais tué personne. Pour l'assaisonnement de la sauce, n'hésitez pas, sel, poivre, bien sûr. Hop là. Amis, les tenders sont prêts, j'ai remis la doudoune parce que je faisais un peu le beau. On est dans le sud, mais on est quand même en décembre. Vous me faites pas chier. Dire que ça va, ça fait dans ma bouche. Le tender surgelé de Carrefour Market in my estomac. Oh la la. Oh, je me brûle. Mec, tu vas tout par terre, hein. Ah, à la cloque, assez chaud. Regardez-moi ça, le suprême de tacos. J'en ai les pupilles qui se dilatent. J'en ai les papilles qui s'égustillent, qui s'émoustillent. Tacos, regardez-moi, 6 galettes. Le secret, vous voyez les galettes, elles sont disposées en 1, 2, 3, 4, 5. Collées, bien mises. Le secret, les amis, c'est qu'il faut mettre du ciment. Voilà. Voilà, nous on y va à la truelle chez nous. Hop là, une galette collée. Vous soulevez, vous oubliez pas le dessous, c'est important. Voilà, voilà. Et vous collez, les amis. Toutes les galettes, vous collez, collez-moi ces putains de galettes. J'en ai marre d'acheter des tacos et de voir des tacos décoller. Ceux qui ont pas passé leur CAP par pain. Allez bien vous faire en... Paye 10€ le tacos et ils sont pas collés. Hop là, voilà, mettez-moi des bons steaks là. Bien Johnny, rapproche-toi Johnny. Regarde-moi comment je tartine ça avec passion frère. Mmh, les amis, c'est la tartinade.
Cette sauce du paradis, digne de Zeus. J'en ai partout, j'adore en avoir de partout les amis. Et je parle pas que de sauce fromagère. Là regardez, c'est mon moment préféré. C'est quand on tartine les amis là. Voilà, tartinez-moi ça. Voilà, on va se calmer, j'en ai mis beaucoup là quand même. Façon campagnarde. Sauf qu'on est à Nice, c'est pas du fromage frais les amis. Oh là 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 là. Man, man. My man, regarde-moi ça. Cette odeur bro. Prenez une bonne poignée de frites maison et venez les disperser sur le dessus. Il y en a jamais trop des frites les amis. Faut que ça croustille, faut que ça soit lisse. Mec, mais je crois qu'ils se rendent pas bien compte de la taille de ce putain de tacos mec. Regarde-moi ça. Pour la sauce, je vous conseille ce que vous aimez, ce que vous voulez. Moi j'aime bien algérienne, samouraï, blanche, harissa, ketchup, mayonnaise, sauce moutarde, sauce bite, sauce ce que vous voulez, sauce vinaigrette. Mais là, sauce... Pita kebab, on l'a volé au kebab la semaine dernière, on était rabat, voilà. Hop là, la sauce pita les amis. On se met une double rangée, merci Tintin. Petite lignée de ketchup. Il est neuf, faut l'ouvrir. Ça marche pas, effectivement. Je suis sûr que si on ouvre pas les amis, ça va pas marcher. Tu m'as baissé ça là. Non, mais parce qu'on est en train de tacos. Ah, appelle la daronne. Mais il rentre pas dans mon four. Le four, parce que le mien est trop petit, hein. Tu vas pas attaquer le truc, quoi. Oh là 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 là, l'enculé. Regarde-moi la taille du bordel, mec, il fait 6 mains. Ouais, les amis, ensuite on met le cheddar, voilà. Qu'est-ce que tu... Qui êtes-vous? Excusez-moi. J'ai senti l'odeur de la route. Mais partez, sonner. Partez, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, les amis, c'est cheddarisé. Faut servir un peu de manger tout au regard, parce que sinon tu vas mourir. Une petite lignade de sauce fromagère, même deux lignades, vous faites une diagonale, une transversale. Les deux bords, vous les repliez comme ceci. Attention, ne faites pas d'erreur stratégique. Vous mettez de la sauce dans les bords qui sont ici. Attention, c'est très important ça. Si vous n'avez pas le CAP parpaing, vous n'y arriverez pas, ça ne se mangera pas. Une fois que vous avez fait des beaux angles morts, vous repliez les deux côtés du putain de tacos. Oula, erreur. J'en ai pas mis assez. Hop là. Vous repliez les angles morts. Bon les amis, ça m'excite putain, la taille de ce tacos, on dirait un sac à main Louis Vuitton. C'est excitant de faire ça putain. Hop là. Et tartinez-moi ça les amis, tartinez-moi ça. Il reste de la sauce, tant qu'il reste de la sauce, on en met. Oh, par contre c'est pour nous deux donc calme-toi. C'est dégueulasse. Oh là, John, je suis putain de fier de ce tacos mec. Il ressemble à un putain de tacos de dieu. Prêt à goûter ma sauce Pito Ricard ou pas? Vas-y, elle est où? Les amis, tout s'explique, c'est la révélation, regardez-moi cette sauce. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que la mayo, une fois faite, fallait la mettre au congèle. Maintenant, elle est beaucoup plus dure, regardez-moi ça. C'est une bonne mayonnaise. On sent bien l'anis. Goûte-moi ça, Estelle. Sauce pastis, goûte-moi ça. Et c'est Covid. Allez, c'est Covid. Ah, froid. C'est bon. Ah, on dirait un shot de Ricard. C'est la mayonnaise au Ricard de chez Tintin. Goûte-moi ça, enculé. C'est dégueulasse pour moi. Ouais, c'est dégueulasse hein. Je vais faire un... Ah. Ça vraiment pour ouais, les amis, la vérité, ils aiment pas, mais moi, regardez-moi ça, je me régale. Si vous voulez faire la recette chez vous, faites pareil, c'est mes recettes, les amis. C'est horrible. C'est horrible, t'aimes bien. Je suis très fier de cette recette, finalement, on est très bien sorti. Regardez-moi ce tac-là. Ma sauce ne plaît pas à tout le monde, néanmoins, je l'apprécie, c'est le principal. Oui, c'est parti, on va mettre ça au four chez la daronne. Oh, c'est fantastique. Allez, Johnny. Regardez-moi ça, les amis, on va l'ouvrir. On va le disséquer. Oh là là, ça colle. Oh man! Oh là là les amis! Oh là 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 les amis! Dégustation! Fantastique ce qui se passe dans ma bouche. Ça ressort dans mon corps, dans mon esprit, regardez. Avec la petite sauce, la mayonnaise au pastis, mon tacos. On sent bien le goût oriental, le goût français et le goût anisé des Pays-Bas. Un délice, les amis. Nous, on va déguster tout ça et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Allez, la bise. 3, je crois que je vais en arrêter là. On finira ce soir parce que là. On est un coup, frère. Et en plus, le pire, c'est qu'il est 16h quand même de l'après-midi.